Eh ben bonjour et bienvenue sur le stream Kingdom Hearts, j'ai envie de dire, ou sur la VOD ou ce que vous voulez. On avance toujours l'histoire, on est terminé Pirates des Caraïbes. Et voilà, on va enchaîner sur San Francisco. Tout simplement, j'ai pas fait les coffres de pirates, tout ça, j'ai pas rejoué depuis hier soir. On est de beau matin. D'habitude, je stream le soir, mais vu que Kingdom Hearts, déjà de base, ça intéresse personne en stream, bah moi, j'en profite, je vais faire ça le matin, enfin je vais profiter du dimanche pour essayer de terminer l'histoire, parce que j'ai quand même hâte de voir Remind, et surtout que entre la fin de l'histoire et Remind, faudra que je torche le jeu à 100%, c'est pour ça... Hors stream, je fais déjà ça pour avoir la save clear, etc. Clean pour Remind. Mais là, il reste pas grand-chose. Il y a ces deux mondes-là à faire. Faut que je vois pour tout ce qui est cuisine, tout ça, et etc. Bon, par contre, on va décoller d'ici. J'étais en train de galérer avec les touches et je voulais mettre mon marqueur. Voilà, voilà. Donc, comme je l'ai dit hier, hein, Pirates des Caraïbes, petite déception sur l'histoire. Bah, les trois quarts des mondes Disney. Hein. En vrai, il n'y en a pas beaucoup de ouf. Je vais pas mentir. Enfin, dans leur histoire, ils sont souvent assez courts. Mais, exemple, le monde de Toy Story, même si en vrai il est pas si long que ça. Bah il est assez bien rythmé donc ça va. Ah bah c'est juste en face. Parfait. Comme ça on va enchaîner vite. Mais suffisait de voir hein, au début du stream Pirates des Caraïbes. Enfin dans la deuxième partie là. J'étais quasi sûr que ça allait faire au moins 3 VOD. J'étais en mode ah j'ai toujours... Je suis toujours qu'au début, je viens d'arriver à Port-Royal, c'est le début, hein. C'est vraiment, tu fais un truc, hop, et puis la première chose que tu fais, c'est naviguer à Port-Royal une fois que t'es sorti de la grotte. Et moi, je me disais, ah, c'est à partir de là qu'on va devoir voyager entre différents points et faire des trucs. Ah non, non, c'est direct, tu vas à la fin. ça m'a... Quand j'ai commencé à voir la bataille dans la mer et tout, j'étais en mode « Attends, non, va y avoir un truc, on va tomber dans la mer, etc. » Non, j'étais en doute. Ça faisait peur. Mais voilà. Bon, San Francisco, c'est un monde que j'aime pas trop. Je l'ai dit plein de fois. Je sais pas si je l'aime plus ou moins que Arendelle. Donc vous verrez bien. Bon, il y aura sûrement une cinématique, tout ça. Alors, je vais refaire juste le point sur les VOD. Faut que je fasse le montage de Guacamelee 2, de Bloodborne et Dark Souls 2. Dark Souls 1, pardon. J'ai jamais fait Dark Souls 2. Et normalement, il y a tout fait. Comment qu'il s'appelle ? Starshot, le montage est fait. Faut juste que je fasse la miniature, la description, tout ça. Je ferai ça rapide. Et Shantae 3 aussi, j'allais l'oublier. Mais lui, je voudrais faire un dessin parce que c'est Shantae, voilà. Donc les VOD dans 10 ans. Mais j'ai dit à la fin de Shenmue que... Ah, il y a Shenmue aussi que je dois finir de monter. Bon, vu que la moitié du let's play il est en off, bah généralement je démarre rapide, je fais bonjour, bienvenue, hop. Et à la fin, c'est allez hop, au revoir, je coupe. Il y a rarement des pauses entre deux. Et surtout, bah, l'avantage, c'est que quand je démarre un stream, exemple Kingdom Hearts 3, là au début, bah, quand je mets play, j'attends que ça s'affiche sur Firefox, que machin, que le stream soit bien lancé, etc. Avant de dire bonjour, bienvenue, je dois vérifier le son, etc. Donc c'est assez longué. Enfin, le début, je suis obligé de le découper comme ça. Donc généralement ça commence avec un bon, bonjour, le fameux bon, ou le ah, je sais, hein, je fais le découpage, je m'entends, je time toujours avant, malheureusement, et hop, c'est parti.
Wow! Oh, cool! Come on, let's go! No, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Cosmopolitan! Ooh. Huh? Now what? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'm sure a blast. The Heartless! Come on! Whoa! Go, go! Are you okay? Huh? What in... Go, go! Baymax! Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy! Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Let's go! Baymax! Ah! Et je disais pour Shenmue, oui, je me souviens qu'à la fin de la VOD, je dis, promis, je sortirai toutes les VOD avant la fin de Kingdom Hearts 3. C'était... Je crois que je suis parti sur autre chose. Avant de lancer la cinématique. Bon, par contre, on a un Sora qui est complètement en mode Balek. Il y a Riku qui doit se battre contre des milliers de sans-cœurs dans le monde des ténèbres et reçoit des SMS de Sora en mode je viens d'arriver dans une ville, c'est trop stylé. Enfin. Faut bien garder du social même à la guerre. Ah, c'est bon, hein. Est-ce que j'ai le temps de... Non. Ah ouais, non, en fait, ça fait vraiment super mal, ça. Ah, le... Enfin... Ok, c'est sympa de nous montrer cette mécanique là qu'on a déjà vu, je crois, à Arendelle. Mais tu fais qu'une fois. Ah, lui, c'est notre version du golem qu'on avait vu à. Comment ça s'appelle? Mais non! Oh là là! Comment ça s'appelle le monde? Ah bah c'était à Hercule! D'ailleurs, ce Disney Pixar ou je ne sais quoi, je l'ai jamais vu. Je présume que c'est un Pixar vu que ça a une histoire originale.
Par contre, ouais, je vais abuser de ça, je pense. Hein. Parce que c'est complètement gratuit. C'est abusé que ça frise le temps comme ça. Mais non, oh là là, mais la sale fusion, là. On t'aime pas, on ne veut pas. Ah, ce combat de l'abus. Encore une fois, voilà. C'est abusé. Mais j'ai jamais vu ce Pixar. Mais après, je présume que c'est quand même une histoire originale vu comment elle est foutue. Je sais pas si c'est un Pixar ou un Disney, Pixar, je regardais. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster room. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? What? The monsters. Tell us how you managed to take them down. Hmm. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. Mm-mm. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Hmm. Great, hmm? But don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? Huh. You put it on your face. Hmm? Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here! Huh? But, Whoa, chill, Sora. G-
Just take the AR device off. Huh? Huh? Oh. Oh. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we shoot you? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself! I can Shugyo. By installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. Ah, alors j'ai regardé, semblerait que ce soit un Disney, mais qu'il utilise des trucs de Pixar ou je ne sais quoi, le moteur ou je ne sais quoi. J'ai pas lu. Mais en gros, c'est un Disney. Après Disney Pixar. Ah, je vais jarter le truc magique là. Ah, j'ai pas testé le fin de combo. Triple assaut, ça c'est celui que j'ai, je crois. Mince, pourquoi à chaque fois je fais triangle, oh là là, la maladie. J'ai encore vaillance, concentration. Ajoute un tir visé spécial qui ne coûte pas de concentration à votre répertoire pour absorber la concentration des cibles verrouillées. Ouais, mais c'est pas que je veux pas, mais j'ai jamais trouvé comment faire. Ah, il est où? Flash magique, je vais le retirer. Même si en vrai, il tape en zone, il est pas mal, mais... Dépend de votre stade de magie. Je vais essayer de laisser juste dernière charge. Voir si ça change. Parce que si ça se trouve, ça prenait l'autre. Ah, j'ai pas eu de nouveau truc. Non. Bon bah voilà. Ah, tatata. Ouais, je vais sauvegarder au cas où parce qu'il parle trop longtemps. On n'est jamais à l'abri d'un crash PS4. We are not gonna stop those enemies unless we get a new plan. Bon, par contre, ouais, vous vous doutez bien que ce monde-là, il a un peu schnapps. Vous verrez bien avec le mini-jeu, tout ça. De toute façon, je vais pas vous spoiler tout ça. Je vais juste vous dire en temps réel. Je vous dis juste que moi, je l'apprécie pas forcément. Voilà. Ah, tatata, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il me semblait qu'il y avait des emblèmes. Il y en a qu'un seul? Peut-être. On peut parler à tout le monde. Yo, Keyblade Hero 3. You guys are so cool. AR training. Leave it to Hero to tech up a workout. Are you ready to begin the Shugyo? Your moves are very impressive. Perso, je trouve qu'ils ont... Lui, je le trouve dégueulasse, par exemple. On dirait un... Comment ça s'appelle, là? Un Skylander. Un style spécial. Mais enfin... Shout when you're ready, Sora. On va enchaîner tout ça.
Ah là là, le traverser les anneaux. Ah là, il a placé des anneaux dans la ville, les casques te permettent de les voir et faut les traverser, blablabla. J'ai pas le double saut. Ah d'accord, il s'est pas agrippé au truc. Ah, c'est pas mal ce que je fais là. Je pense que je suis un génie du parcours. Et voilà, cette ville, elle te fait un semblant de danse quand tu la vois. Mais je peux vous assurer que les coffres... le tout en fait est un enfer. Dirige-toi vers l'indicateur du casque, ici. Attends, comment on change de rampe à triangle? Ah, il faut prendre les carrés, c'est plus intéressant. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Ah, j'en ai raté un, je crois. Encore? Oh là là. Hop, et Sora qui détruit les villes gratuitement. Ah, c'est parce que je m'entraîne en réalité augmentée. Qu'est-ce qu'elle raconte l'autre à côté là? T'as un peu sa vie. Tatata. Voilà. Oula. Ça faut pas pré-shot hein. Faut vraiment attendre d'être qu'il soit en face parce que Sora part vraiment d'un coup. Ah non, en fait je pouvais le faire sans sauter. Oh le sac. Bon, pas grave, c'est un speedrun. C'est la fin? Qu'est-ce que quoi? Mais... est-ce que j'ai une note à la fin? Qui fait que j'aurais pas à refaire le mini-jeu. Non. Interesting. Gravity. Not binding. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Change the weapon, change the attack. Yeah.
and ice diametrically opposed. Or so we thought! Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Yeah, Hero. I think there's a way to try to get my Alors sachez que si j'ai pas mangé dans le jeu le repas pour les dégâts, c'est normal, j'attendais la fin de l'entraînement. Non, en fait, je m'en suis souvenu au pif. Quand j'ai vu qu'il avait pas la Keyblade que j'avais dans la cinématique où ils ont mis une Keyblade au pif dans le tas, tu sais pas pourquoi ils ont pas mis Chaîne Royale. Alors qu'ils pouvaient, c'était sûrement pour les transformations, tout ça. D'ailleurs, je ferai sûrement des combats avec d'autres Keyblades juste pour montrer ce délire des transformations, des fusions, tout ça. Parce que techniquement, vous avez vu que de la Chaîne Royale, tout ça, c'est parce que je veux faire tout le mode critique en Chaîne Royale. C'est le projet. Mais je vous montrerai rapide avec des combats au pif si j'ai un peu de temps sur cette VOD-là. Après, je crois pas que ce monde est long, donc on peut faire ça. Mais en tout cas, oui, je m'en suis rappelé, j'ai vu qu'il y a... j'ai fait la liaison équipement machin et j'ai fait « Eh, mais j'ai pas mangé !» Alors que ça fait 10 VOD que je suis en mode « Allez, prochain stream, je mange !» En plus, je l'ai noté, c'est sûr, bon, je le vois là. J'avais juste pas tilté. Bon, allez hop, en route. Ah, et on a eu l'invocation Stitch. Incliné 1 pour faire des blagues plasmiques, machin, appuyer sur rond pour sauter. On peut plus faire la danse comme dans le 2, là, la musique, c'était rigolo, ça. C'était pété, en plus, de mémoire. Fallait faire ça à l'infini, dans les coupes paradoxes, etc., dans les coupes de Hercule pour faire 1 milliard de points, tu spammais l'invocation. That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses describe losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes! Alors, juste pour dire, je trouve ça pas normal qu'ils aient mis la musique d'Hercule, même si c'est en lien avec l'héros, tout ça. Parce que le monde d'Hercule, c'est les liens du héros, tout ça. C'est déjà de base, Kingdom Hearts 3 est pas mal critiqué sur son OST dans le sens où. Beaucoup des OST du jeu, bah en fait c'est celle des anciens Kingdom Hearts en version orchestra, tout ça. Et y a que les nouveaux mondes qui montent des nouvelles musiques, quoi. C'est vraiment, c'est Arendelle, c'est Corona, tout ça, mais Toy Story. Mais il y a pas assez de, il y a vraiment beaucoup d'anciennes musiques qui se remettent en avant. Et pour moi, là, ce qu'on vient d'entendre, c'était pas normal.
qu'ils aient mis la musique d'Hercule, tout ça, alors qu'ils pouvaient reconstruire un thème dans la même ambiance, mais avec le délire San Francisco, quoi. Après, ça fait toujours un rappel, c'est sympa, mais voilà. Bon, je vais pas parler à tout le monde, hein. Allez hop, à l'attaque, on a compris. Les gens, ils vont juste nous dire « Oh, j'ai des nouveaux pouvoirs, c'est vraiment trop bien, merci Sora !» Je sais même pas s'ils ont des nouveaux pouvoirs. De toute façon, ils servent à rien. Hop! Servez-vous de l'indicateur du casque Hera pour localiser la. Ah! Bah alors. Ah! Mais en fait, le coup que je faisais, c'était pas. Truc magique! Parce que je le fais toujours là. Ça là. En fait, c'est le dernier coup que j'ai débloqué. Donc faudrait que je désactive et que je mette l'autre pouvoir. Enfin, en vrai, il est pas mal, hein, faire une double attaque comme ça. Et en plus, on peut le cancel par garde, c'est ça que je voulais voir. Ah, faut que je vois si pendant l'animation, on peut le cancel. Ouais, c'est pour ça que j'ai gomme les ennemis. Mars. Non, on peut pas. Ça me paraît normal. La carte, merci. Alors, compétence, Sora, c'est croix et pas triangle. Et je retire dernière charge et je mets flash magique. Je veux voir si on aura un coup qu'on n'a jamais vu. Ou si en fait ça accumule bien le tout. Il est où l'ennemi? Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, on va essayer de faire vite. En fait, c'est ça qui est relou avec dans ce monde-là. Je sais que la première fois, j'arrêtais pas de me perdre tout le temps en mode, bah, faut que je fasse quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes pas dans la direction du casque, mais saloperie de monde, je les avais pas vus. Bah, l'indicateur, il est pas là. Il est pas genre en haut à droite de ton écran avec une petite flèche pour te dire, hey, il est par là. C'est tu dois regarder au pif et voir que, ah bah, en fait, c'était là, quoi. Même si tu le vois en bougeant la caméra. C'est super relou. Et je pense que en faisant ce monde là comme ça, on verra. Je pense que dans l'histoire, il y a plein d'endroits où. Plein de moments où je douterai. Tiens, ça, je m'en souvenais. Bon, ce monde là, c'est un enfer pour les coffres. C'est. T'as plein de buildings partout, plein de constructions comme ça. Et ça sert juste à cacher des coffres. Parce que ce monde-là, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est un peu comme la. Ah bah si, ça je l'ai aussi. Ah bah non, en fait, tout se cumule. Bon bah, je vais tout remettre. C'est un peu comme la ville de Pirates des Caraïbes. C'est sympa, il y a des gens, tout ça. Bon, il y en a pas beaucoup dans ce monde-là de mémoire. Où ils sont là que dans certaines conditions. Ou à certains coins. Mais voilà, c'est de la construction sans grand intérêt. Mais surtout, il est sympa comme ça, mais je trouve que même dans l'histoire, dans le machin, dans ce que tu fais dedans, en vrai, il est super relou. Oh là là, il y a un coffre là-bas. Après, les coffres, je les ferai après. Pourquoi je m'embête à les récupérer maintenant? Pour moi, c'est le genre de monde avec une idée, mais mal aboutie. Enfin, pas forcément mal aboutie, mais... qui finalement... pas forcément plaisant à jouer, quoi. Attends, je sais ce que je vais faire. Là. 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 Non, mais le foudre, il est pété de ouf. Ah oui, j'ai pas réactivé, je suis un sac.
Et en plus, vu que j'ai foudre X, bah quand je débloque sa version améliorée, c'est foudre XX et c'est ultra pété. Double X. Les gars, en ce moment, je joue à Guilty Gear XX. C'est assez sympa. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai envie d'apprendre un peu le lore et de tout un peu les Guilty. Donc là, j'ai fait Guilty Gear, Guilty Gear X. Et là, je suis sur Guilty Gear XX. Enfin, Guilty Gear X, le problème, c'est que je l'ai déjà dit, il n'y a pas l'histoire dans le jeu. Il y a vécu au Japon dans X+. Donc j'ai fait ça avec Wikipédia. Encore une musique des anciens de Cage 2, hein. Mais ouais, c'est sympa. Après, il y a, de ce que j'ai compris, il y a deux histoires différentes. Il y a XX Reload, etc. Et Accent Core, c'est une autre histoire différente. Un peu comme Guilty Gear Sign et Revelator. Pour ça, là, je suis sur Reload. Et voilà, voilà. Taper là. Bordel, elle est solide son armure à lui. Ah, j'aurais voulu faire foudre, mais... Qu'est-ce que je... Ah, j'ai oublié de manger. J'aurais dû manger pendant... En plus, je l'ai dit avant... Oh là là, je suis un sac. Quand j'étais au garage, quand j'étais en ville, je l'ai pas fait. Par contre, elle arrache à mort, là, la fusion. Elle est motivée. Oh, le coup final qui a enlevé une demi-barre. Ah, ça faut bien, hein. Faut bien que ça fasse mal parce que le les monstres ils ont 10 barres de vie, quoi. Comment marche le tir visé qui retire de la... qui donne de la conscience? Ah bah si, en fait quand j'ai fait ça j'en ai regagné. D'accord. Ouais, j'ai regagné une toute petite barre. Ce que j'ai là, c'est grâce au tir visé. Tu dois le rattraper. Et là, il est où? Bah écoute, balade-toi. Hein. Ah, voilà. Est-ce que je peux bloquer quand je fais ça? Ah non. Je suis bête, forcément, ça allait faire ça. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non. Je voulais manger un plat rapide. On va se soigner, comme ça le temps d'y aller, on sera... la mana sera revenue. Hop, on va faire lancer Dingo, ça tombe vraiment bien ça. Par contre j'ai déjà perdu la moitié de ma vie, je sais pas comment. C'est à cause des petits trucs là qui me font des foudres depuis tout à l'heure. Plus le boss qui est électrique aussi qui fait pleuvoir de la foudre sur le nez. Ah bah c'est bon, il m'a soigné. Bon, c'est le boss, généralement je déconnecte le cerveau et je bourrine. Hein.
On va faire ça. Si j'ai une fois Kion, j'ai gagné. Bon bah. Ah, ça l'a pas tué. On swipe quand même. On va éviter. C'est bizarre que c'est lui qui me donne Brasier X. Et pas Foudre X. Just try and catch me. Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement. Hero taught it to me. So, like, this? Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la? Get ready! Another one! We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze NATO! The only tornado made of ice and fire. You took on the wrong composition! And the wrong captain of the guard! Prepare to face Keyblade Hero 3! Oh, come on! And the crime-fighting team of Big Hero 6. Together, we're unstoppable. Yes! Yeah! Was that awesome? Or was that totally awesome? Ah-ah! Jumping! Yeah, I was pretty good. Your magic is amazing. Do you think I could study it sometime? Why not? You just made Donald's day. My brother wanted to help people. Now we try to do the same. Your brother? Yeah, Tadashi. There was a fire, and now he's gone. But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. In Baymax. In all of us. Tadashi, he lives on in your hearts. Huh? Yeah. Right. He will always be a part of us, in some way. And when you're not strong enough, he'll make up the difference. Oh. Sora, you okay? Yeah, fine. I'm with you.
Crap! Great, they're back. Oh, we got this. Time for a lesson. Charge! Wait, guys, that one's not like the others. It can't be. Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Well, they're different from Heartless. Microbots are designed to do whatever you think via a neurotransmitter that communicates what you're... They're a kind of a mini-bot I invented. Some bad stuff happened, and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. Which means someone's controlling them. The question is, who? Huh. Could it be... I'm gonna go back to the garage and look into it some more. You mind going after him? Sure. We need you on the sciencey stuff. Hey, Max. Stick with them. All right, Hero. Sora, Donald, Goofy, I will be your personal healthcare companion. Oh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on, let's move. Ah bon. Alors, promis, compétence Sora, je réactive l'autre truc. Comme ça on sait. C'est quoi ça le nouveau truc? Régénère 3 MP. C'est pété. C'est exactement ce qu'il me fallait. Le problème c'est que j'aurais plus assez de magie de machin pour ça. Est-ce que j'ai objet? Ta-ta-ta-ta-ta. Non, on peut pas passer. Non, j'ai pas de truc pour les points de compétence. Donc est-ce qu'il y a un truc que je peux faire sauter pour récupérer ça? Pendant un combo, appuyez sur A, ça c'est bien. Supérieux. Ta-ta-ta. Secours amical. Ah bah c'est bien vu que quand je fais soin ça soigne tout le monde. Pétale garde, attraction. Il me faut 2 points. Je peux retirer un booster hein. J'en ai rien à faire de glace. Booster haut là. Et il me semble que glace c'est bien mais bon hein. Vu que moi je fais que de taper comme un gogol. C'est quoi frappe punitive? Ah mais c'est bien ça. Ah je sais pas si c'est bien, si c'est invincible ou pas. Parce que si ça se trouve c'est mieux de faire pirouette et de faire l'attaque. L'attaque que je fais, au moins je peux la cancel, etc. Ah quoi que je dois pouvoir la cancel. Ah. Et objet. On va utiliser à manger. Donc voyons voir. Y'a quoi qui augmente les dégâts? Ah, je suis pas du tout dans la catégorie nourriture. Attendez, comme ça. Alors, la magie et les MP max. L'attaque, la défense, les MP. L'attaque et les MP. Y'a pas genre augmente beaucoup l'attaque. Non, bon bah on va prendre celui avec attaque MP. Parce que défense, j'ai peur que ça soit pété. Comment on l'utilise? Vous ne pouvez pas jeter ces... Comment on l'utilise? Cuisine? Entrée, partage. Consommer plus. Quoi? Oh, je sais même pas comment ça marche. Manger des plats augmente les stats et confère des bonus. Ok. Consommer plus.
Ah, c'est tout un repas que tu choisis comme ça. Genre, je prends ça. D'accord, et si je veux... Ah oui, je peux augmenter les dégâts. Enfin, les points de vie, la défense. Ça, c'est pour augmenter l'attaque. C'est temporaire, c'est le temps du repas. Hein. J'ai peur de casser ma sauvegarde. Hein. Bon bah écoute, je vais prendre ça. Hein. Celui qui me met à 32. Box, celui avec 3 de défense, il est pas mal. On va faire ça. Et ça, il y a un truc qui augmente les... Non. Voilà. Hein. Là, on se met en mode pété. Hein. C'est juste pour tester dans ce monde-là. C'est pas grave. De toute façon, je l'aime pas. Sauvegardez ce repas et ses effets dans votre liste de favoris. Non. Durée 32 minutes, ok. Ah oui, et là ma barre de vie, elle a fait un bond de dingue. De toute façon, le temps de trouver le boss. J'aimerais bien trouver un tas d'ennemis. Non, sérieux, là je sais pas où il est. Hein. C'est exactement ce que je disais. Je pense que je vais grimper sur un truc et je vais chercher. Note qu'après ce monde-là, alors la deuxième VOD de ce monde... risque d'être longue. Ouais. Bah vu que j'ai gagné que 1 en dégâts. Ça a pas l'air d'être la folie quoi. Ah par contre il y a un coffre. J'ai gagné que 1 en dégâts, la différence ça se sent pas trop. Je présume qu'il y a des plats avec des boosts plus violents. Par contre défensivement je suis quasi sûr que ça va faire un bon up. Mais ils sont où tes robots là, tes microbots, je sais pas où ils sont moi. C'est quoi, c'est je me balade au pif dans la ville et voilà. C'est exactement ça qui m'a galéré sur ce monde. A chaque fois dans l'histoire, c'était il se passe un truc, vas-y va le chercher dans la ville. Et puis l'ennemi sort des places et t'es là, tu marches au pif. Ne va pas plus loin. Ouais bah si t'es là, dis-moi où il est avec ton casque Hera de mort là. Mec il est trop fier, il a fait un casque de réalité augmentée et il sert juste à afficher les mini-jeux pourris. On va essayer de slider au pif, hein. Peut-être qu'on le verra. J'en sais rien. Pas un moment où le jeu il peut réagir et dire ah regarde là-bas. Là-dessus là il y a pas un... déjà il y a un coffre. Il y a pas un... ah non d'accord, il y a juste un ingrédient. Je me disais il y avait un emblème ou je ne sais quoi mais pas du tout. Ah merci, voilà. Sora, head for the place Hero mentioned. Square qui a eu pitié. Il y avait un point de sauvegarde là, ouais, mais c'est pas grave. J'arrive pas à comprendre ce que c'est que les icônes à côté de... Ah non, ça doit être les handicaps, je pense. Sérieux quoi, c'est dans un quartier chinois au pif là. Voyons voir.
Target acquired. They're not Microbots. Comment t'as pu rater ça? Ah, je peux pas le taper? C'est la créa main. Elle peut pas la taper. Résume que c'est normal. Ouais, voilà, c'est pour l'histoire. Sinon, le monde il serait déjà fini. It's no fair. Why can't we hurt it? Magic is no good. What do we do? This is weird. Sora, you guys all right? Oh, yeah, but the target escaped. Have you got any leads? Tons. Somewhere inside that thing, there is a core. It's what powers the whole cluster. The core is the only way to hurt it. Now he tells us. Wasabi, what happened? Let's just say, it's a handful! Check in! So far, so good. Guys, I'm really tired of just dodging this thing. Freddy getting frustrated! Guys, I'm on my way! No, Hiro! Hiro, you analyzed the dark cube! Yeah, they're dark, they're cubes. I call them like I see them. Every bad baddie needs a cool name. Yeah, that's not cool. We'll gather as much data from the dark cubes as we can. Hiro, figure out a way for us to beat this thing! Huh? But guys, I can't leave you out there all alone. Hiro. We are a team. And teams delegate. We need you at the garage. We trust you. So you trust us. Mm. Fine. I'll look for a way that we can expose the Dark Cube's core. Just keep that data coming. Copy. Hiro, what should we do? You protect the others. I'll mark their position for you on your AR display. We got it! Time to go, Baymax! All right. Ah. Donc là, on doit se taper les corvées de, tout, de sauver tout le monde. Ah, ils ont tous tous leurs points de vie. Ah, celle la plus proche. En plus, il y a l'autoroute. Ah non, je peux pas passer comme ça. Par contre, à partir de la maison là. Voilà. On va faire ça. Par contre, ce monde là, il met vraiment bien en valeur la fluidité, tout ça. Ça marche vraiment bien. Ah, je peux pas le loquer. Oh, je tape en mode no brain, hein. Pas besoin de réfléchir.
faire ça pour dégommer les ennemis autour. Ah salut Darkwong, tu vas bien? Ah les autres ils sont en train de prendre cher le temps que je dégomme ça quoi. Ah c'est la dernière tentacule. Ok ça c'est bon. Secourez les autres membres. Tatata, ils sont comment niveau point de vie? Elle allait assez proche. Ah, bon bah c'était la pire utilisation de la fluidité au monde. Ah mais elle joue à la pétanque l'autre. Ah oui, il faut trouver un autre truc pour la contrer. Ah, le problème c'est que les autres ils prennent cher le temps. Je sais pas si juste en bourrinant ça peut passer. Ah, j'ai pas mis Brazix. Ah, je pense pas. Il faut la méga boule de machin là que j'avais la dernière fois. Que là va trop vite. Oh là là, mais ce monde il est terrible. Tatatam. Ah elle est là. Alors je peux pas faire ça. Est-ce que je vais plus vite qu'elle? Oui c'est bon. Ah, je me doutais bien que ça passerait pas en bourrinant. Ah, ta-ta-ta. Ah, ça a l'air d'être le plus proche. Mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Fred, you okay? Faire ça? D'accord. Il y a juste à tournicoter, à voyager entre les trucs, pas besoin de s'embêter. C'est bon, il est libre? Ouais, lui, il n'y avait rien à faire. Hein. Par contre, le dernier, il est où? Je l'avais vu, mais le curseur n'apparaît qu'une fois sur 1000. Il est en haut. Mince. Je peux m'agripper directement là-haut? Mince, je peux pas faire le tir visé quand je suis en état de fluidité. Ici ça ira plus vite. Ah, je pensais pas que j'aurais assez haut. Ah ouais, il y en a vraiment que tu... tu fais rien et ça passe quoi. Tac. Listen, Sora,
whatever's happening can't be good. I'm almost done pinpointing the core. If you need me to help. Nah, it's okay, Hero. We're on it. Thanks. Augmente fortement la défense ainsi que légèrement les résistances au feu, glace, machin. Oh, je présume que c'est pas la folie, de toute façon là je suis en combat. Ah, je pouvais m'agripper au petit lampion là. Ah non, cinématique. Okay, there's a lot of them. What do you suppose they'll do? I don't think we want to find out. I say we destroy this thing! But without a strategy, we'd just be wasting our strength. If we knew where to strike... Sora, I got it. I'm sending you an AR software update. It'll show you where the core is. The Dark Cube's weak point. I'm coming to help. Huh? That's weird. Is it busted? Hero, who's that on the display? That's not the display. He's really here. Huh? The black coat. He's back? Are you done messing around? What? Wait. That voice. Hold on! You know this guy? And now, enter the supervillain. He definitely has the vibe. Funny. Riku, but... As if this stupid experiment wasn't already a hassle. Huh? Oh? Where'd he get that? Hero, do you recognize it? Yeah. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat programs. Programs? Yeah, they tell Baymax how to react. Does that mean it's like his heart? More than. Riku! Ah, c'est bon, on va pouvoir taper. Après, j'ai de mauvais souvenirs de ce boss. Ah non, il est en mode rouge. Rouge, pas, pas touché. Mais quel sac! C'est bon, t'as fini? La crème, hein? Ah oui, je crois qu'il faut trouver son cœur là. Non? Ah non. Les souvenirs douteux. Ah! Ça devrait aller, vu comment je le bourrine et vu que j'ai voulu tester un plat. J'ai l'impression que ça a cassé le jeu.
à faire ça, on va bourriner tranquillement. Ah! Ah ouais, non, c'est... La bouffe, c'est abusé, hein. La bouffe, c'est abusé de ouf. Je prends plus de dégâts. Hein. Ça a vraiment cassé le mode, quoi. Ça doit être vraiment calculé pour si tu fais du level 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait, là? On va faire ça. Ah ouais, non, il prend vachement cher, hein. En plus, déjà sur sa dernière barre de vie. Ah, j'avais pas assez. Bon bah, il est mort dans tous les cas. Sauf s'il passe en mode rouge. Et mince. Je sais pas si juste en marchant ça passe. Efficace aux mecs qui font Bloodborne uniquement en marchant. Hop, je vais m'éloigner comme ça, je verrai la charge. Voilà. Et voilà. Nouvel emplacement de protection, ça, ça fait du bien. Baymax. Oh, this isn't for you. At least, not until we're done. Riku! Is it you? Why do you look like that? Looks are deceiving, but the heart? You know that it's me. I know Riku wouldn't do this, not without a good reason. A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids. What? Don't listen to him, Sora! The coat means he's with Organization 13, and that means he's not really Riku. Smarter than you look. We defeated Ansem and Xehanort, every last one of them. But still, they all came back anyway, right? So, maybe this Riku came back too, from the time when Ansem possessed him. Yeah, from the past! What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time. Which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. But you have a body. Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Xemnas and created the first organization. It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts, enough of them to form the real Organization 13. They could come from anywhere, any when.
just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in. Vessels? Replicas! That's right. The replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave. What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from Data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise, I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! We gotta stop him! Guys! You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah, you're right. Let's regroup. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred, not now. Huh? His name is Riku? And do you know him? Yeah. Well, I know A him. The fake ones with Organization 13, our arch nemesis. Okay, but how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. No, this could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah, this Baymax, he's actually the second model. No offense. I am a robot. I cannot be offended. It's a long story, but the first Baymax and the chip I made vanished into another dimension, along with the microbots. The chip's back, so the first Baymax might be back too. Hiro. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's go on. Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep, and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to.
Who's he? Friend of yours? Yes, though I could not tell you from when. Ah là là. Comment Sora il peut douter quand il voit Riku genre il voit Riku il y a 3 ans. Le jeune Riku il fait « Attends, mais t'es Riku ?»« Bah non, tu vois bien que non. Tu vois bien que c'est pas le vrai. C'est terrible de se dire que le seul qui est serein, c'est Dango, quoi. Ah, je voulais voir ça. Ciel étoilé. Tatata, la ville, donc c'est forcément la nuit. Manche en l'air en forme de poisson. Ah, de joie. Bon, je présume que c'est... Peut-être ce qui me dérange, c'est en forme de poisson. J'allais dire, c'est la... La figurine, là, le truc avec le machin avec un couteau, là. Mais j'ai pas souvenir de voir de poisson dessus. Le sort de petit cuisinier avec un couteau. Et ça, c'est quoi? Cascade de Port-Royal. Bon, j'irai faire ça hors stream. Et là, j'ai encore rien créé, ça, c'est terrible. Tiens, d'ailleurs, il repropose pas la Ultima. T'es en train de regarder. Vu que je l'ai déjà créé, elle est validée. Enfin, vu que c'est un New Game Plus, elle est toujours validée. Ok, ok. Bon, je sais pas si je vais enchaîner là maintenant. Ça fait déjà 1h20. Le problème, c'est que si j'enchaîne là... Je pense que là, ça va s'enchaîner sur combat final, puis enchaînement de cinématique. Et le moment où je pourrais sauvegarder, ça sera dans 3 heures. Non, bah, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Et je verrai ça. Allez, hop, en route. Est-ce que j'ai oublié de faire un truc, moi? Non, j'ai pas eu de compétences, rien à réactiver. Non, je crois que c'est bon. Ah, la fin de, le nouvel emplacement d'accessoires. Quel sac. Bon, pas grave. De toute façon, vu que j'ai le plat, là... Le personnage, il est en mode pété. Plus jamais j'en prends. Hope it's learned some new tricks. Yeah, now it's gotta face all of us. That's right. Freddy want to destroy! Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah! Which adds up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! Milam, it's something funny! Trusting friends. In every heart, there's hope. Yeah. Yes! You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be what real. What was it you said? I only have to see it for it to become real. So... Let's see it. First,
We need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! Yeah! Wait! That's Baymax. What? No way! Baymax. Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax is like my family. Please, give me back my friend. Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend, right in front of him. Wait! No! Oh no. Hiro! Hiro, tell us, what should we do? Baymax means everything to me, but that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora, he has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh, no! Sora, take Baymax. Okay, Baymax! I am ready, Sora. Bon, j'ai souvenir que c'est un peu schnapp ça. Donc attends, R2 tirer. Tac. On peut se déplacer. Oula, mais attends, ça me touche avant que je les touche là. J'ai l'impression que je suis pas du tout à portée quand il me touche. Ah oui, faut shooter les cubes. Est-ce que je peux tirer et frapper en même temps? Ah, il peut annuler le tir automatiquement par patate. Et gaz près de soin. Bon, pour le moment, j'en ai pas besoin. Et d'accord, si tu détruis le truc central, la liaison entre les cubes, ça détruit tous les lasers. En bas, gros combat, hein, je maintiens R2 et... Ah oui, non, faut que j'esquive. Aussi, il faudrait quand même que je me respecte. Voilà. Ah d'accord, ça les renvoie. Ah, par contre, ça c'était... Attention, la caméra tourne. Attention, il y avait un piège. C'était fourbe.
fait, le problème, c'est qu'on voit pas... On voit pas distinctement ce qui nous arrive à la tronche, quoi. Et la caméra tourne, elle visualise pas ce qui va arriver. C'est vraiment, c'est dès que c'est là quoi. Autant là c'est visible, autant là peut y avoir n'importe quoi qui me fonce dessus quoi. Hop, au centre, parfait. Voilà. What? Oula. Ok, frapper, esquive, machin. Combat de méca. Oula. Ouais, par contre, comment je monte, comment je descends? Ça, c'est la bonne question. On va patater. C'est quoi frappe céleste? Alors j'ai pas trop compris là ce que je devais faire. Attends, mais ils viennent de derrière les machins qui... Les cubes qui me frappent sont derrière, comme ça. Encore frappe céleste. Mais c'est gratuit en fait, à chaque fois que vous mettez 3 patates, c'est bon, c'est là. Alors ça, j'ai pas compris. Hein. J'ai envie de dire, je peux juste douiller comme ça et je suis très bien. Envie de le finir avec une bonne patate. Non, ça... Dommage. Ah, c'est un combat vraiment schnapps. Hein. Guys, Hero. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress. So, he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But... Are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing. But Hero, isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one.
Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. This is great. Yeah, thanks. Do you think I could take one of them with me? No. Come on. No. Who's gonna repair him? One. Just one of them. Come on. Please. He's my personal healthcare companion. Ah là 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 là. Vous avez déverrouillé un nouveau circuit de Lumireille. Parlez à vos amis de la ville pour tester vos capacités. Bon, ça je le ferai en off. Pareil, j'ai dit le 100%, je le ferai en off. Sinon, on n'aura jamais fini les streams avant de pouvoir lancer Remind. Pour ça, j'enchaîne les coffres et les emblèmes en off à chaque fois. Mais ah là 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 là, ce monde. Aïe 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 aïe. C'est exactement ce qui ne va pas avec Arendelle, mais en pire, à mes yeux. En fait, le problème, c'est que la ville est énorme, mais finalement, c'est qu'une zone, c'est qu'une arène. Ce qui fait qu'on fait. On va au garage, on va en ville pour faire le mini-jeu. On revient là, on retourne, on revient là, on retourne. Il n'y a pas de sentiment de découverte. Pourtant, la ville est grande. Mais t'as pas cette impression de. De voyager dans quelque chose de grand, t'as juste l'impression d'être dans une arène et de faire trois fois un petit tour de l'arène et voilà quoi. C'est ça manque d'exploration, genre ils auraient dû, quitte à réduire un peu la ville, s'amuser à faire des quartiers extérieurs, genre tu te ramènes, t'as la ville, puis tu découvres un autre quartier, etc. Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à The World and With You. Mais dans The World and With You, le jeu il est énorme déjà de base. Bon, le. Je l'ai fait sur Switch et le gros souci du jeu c'est le gameplay. C'est clairement. C'est pas le gameplay en fait, le souci c'est la maniabilité. C'est le fait que le jeu il joue uniquement au tactile, ce qui fait que le jeu. Bah, il est injouable. Pourtant il a tout. Mais ce qui est génial dans ce jeu là. Sans spoiler, sans rien, c'est que t'es dans Tokyo, t'es clairement dans Tokyo, dans Akihabara, tout ça, et tu visites des quartiers, etc. Et plus ça avance, plus tu découvres des quartiers, et en fait, à force de traîner dedans, tu les connais à limite par cœur, et quand il y a des trucs fermés, ça te dit « Ah, par contre, ce passage-là est déverrouillé », tu dis « Ah ouais, en passant par là, j'arriverai là, et ça débloquera ça ». Enfin, c'est génial. Et t'as vraiment une exploration, t'as vraiment cette sensation d'explorer une ville. Vraiment un truc vraiment urbain avec du monde, de la foule, du machin, plein de magasins, etc. Et ce Kingdom Hearts 3, ce San Francisco, il fait tout l'inverse. Il essaye de te faire un truc gigantesque pour te dire t'as vu c'est énorme et tout. Et finalement, bah, quand tu traînes dedans... C'est l'effet inverse qui se fait quoi. Alors que dans The World and With You, c'est plein de petites sections que tu traverses en 2 secondes quoi. Et c'est ça qui te permet de créer un effet fourmilière. Tu pouvais faire une fusion de tout ça avec la grandeur de Kingdom Hearts 3. Mais voilà, ce monde-là, c'est pas la folie quoi. Malheureusement. Il y a plus en Pirates de Caraïbes, des Caraïbes que dans ce monde-là. Bon, par contre, je vais m'arrêter là. Parce que là, je vois, ça fait 1h40 de stream. Je sais que si je quitte le monde, je vais me faire enchaîner de cinématiques, etc. Normalement, lui, il est fini. Si je parle aux gens, il me dit juste « Ah, coucou, Sorast, hey, ça va ?» Exactement ça. Non, c'est bon. Et ouais, c'est ça, pour sortir dehors, tu peux choisir de jour et de nuit. Et ce qui est un enfer pour les coffres, parce qu'il y a des coffres qui sont là uniquement de jour et d'autres uniquement de nuit. Et c'est horrible. Tout simplement. Bon, bah, ah oui, non, l'emplacement d'objets.
avant que j'oublie. Tatatam. Ouah, c'est pété les pourcentages que je peux avoir là. Là, je serai à 56% par ici. 4 booster objets. Photographe de première, etc. Je vais regarder si j'ai pas un truc avec plus de résistance élémentaire. Ça, c'est vachement bien. 5 de défense et 10% partout. Je vais faire ça, je pense. Ah non, de toute façon, là, j'aurais pas mieux. De toute façon, celui-là, il est tellement fort que... je pense pas que j'aurais mieux un jour. Et là, j'ai mes trucs. Je peux toujours pas améliorer ma Keyblade, je présume. Non. J'ai toujours pas d'électrum. Je pense que j'en trouverai un dans un coffre d'ici ou pirate. Vu que c'est les derniers coffres. Et voilà. Non, bah voilà. Bon. Bah moi je m'arrête là. Je vous dis merci d'avoir regardé le stream. Peut-être que plus tard je ferai du Monster Hunter. Un petit peu. Je sais pas si le poteau va demander. Va proposer du For Honor. Ce soir, normalement, ça sera pas du Monster Hunter avec Alcino, vu que lui, il va faire sûrement du Gears of War. Il fait tourner le soir. Entre Gears of War et Monster Hunter. Donc, je verrai. Mais en tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé ce stream ou cette VOD ou ce que vous voulez. Et voilà. Bonne journée à vous et à la prochaine. Tac, je coupe.